Ok, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, enfin même pas nouveau en fait, genre mon premier vlog, première vidéo de la chaîne. Bienvenue à New York les amis et bienvenue sur ma chaîne. Franchement là on va partir sur vraiment un vlog quoi, un weekly vlog because je vais raconter ma journée, ma semaine. Et je pense qu'on fera les présentations beaucoup plus tard. Voilà, voilà. Donc là, je vais partir en cours. J'ai commencé cours à 8h30. Et puis voilà, on y va. Vous allez voir mon quotidien. Je ferai des trucs le week-end, mais en fait, il pleut. Et il peut y avoir des inondations à tout moment. Donc, en fait, j'ai pas envie de sortir. De toute façon, ce soir, je travaille. Là, ça, j'avoue que c'est un peu une semaine à fond charbon. Mon vlog, j'espère qu'il va être intéressant. Dimanche matin, je suis fatiguée, j'ai travaillé hier. Dame Nature a décidé de se présenter, donc il faut que j'aille chercher les ravitaillements. Ouais, faut aussi que j'ai une tête assez fatiguée. J'ai fait tout ce que j'ai à faire, lessive, manger, appeler mes parents, appeler une dame pour le taf. Je vais aller faire les markets, les brocantes. La 77e, la déco de ma chambre, j'ai trop envie de décorer ma chambre, voilà, et je me suis vraiment habillée comme la tenue dimanche, j'ai mis des pantoufles, voilà, j'ai mis mes petites pantoufles Hug, j'espère vraiment qu'il va pas pleuvoir, ah, normalement il pleut pas mais il fait froid, donc c'est un peu dommage, j'ai genre un pull, un col roulé, wesh. Je me suis trompée, je suis allée à East parce que j'ai mal tapé sur mon truc, du coup je me retrouve dans l'East Side et pas dans l'Upper West. Donc j'ai quand même trouvé des petits trucs là. By the way, j'ai acheté un cadre pour ma chambre, il est trop trop beau. Genre la meuf, ça fait un an qu'elle vit ici, elle se continue encore de se gourer de côté. Mais les bus, c'est compliqué. C'est compliqué les bus. Miam, je me suis pris un acai bowl, un gâteau au chocolat avec de la coco dedans et c'est gluten free, il n'y a pas de gluten, c'est de la nourriture brésilienne. Du coup, je vais manger ça parce que j'ai trop faim là. J'ai mangé à midi, mais pas trop. Ça va être trop trop bon. Trop bon. J'adore les gâteaux au chocolat, surtout quand ils sont sans gluten. C'est comme ça, je ne fais pas d'intolérance de merde. On se retrouve dans ma chambre. Je me suis changée parce que je mets des habits
tranquille à la maison. Genre, je sais pas si vous aussi vous avez ça, mais moi j'ai toujours genre des habits de maison. Genre, j'ai mon outfit du jour, j'ai mes habits à la maisonnée et j'ai mon pyjama en fait. J'ai deux trucs. Enfin, ça va pas être le méga giga haul, mais je suis trop contente parce que j'ai acheté un petit cadre hyper genre kitsch The New Yorker. Je suis à New York. Voilà, c'est ça d'être touriste en vrai. Je me moquais des touristes qui venaient à Paris tout le temps en mode. Ils achètent ça là. Et moi-même, je le suis. Enfin, moi, plus tard, à Soho. Parce que j'aime bien dans les décos, c'est. Enfin, dans ma déco de ma chambre, ce que vraiment je vais faire et ce qui me correspond vraiment dans ma chambre, chez moi, chez mes parents, il n'y a rien qui va ensemble en fait. Et moi, j'aime trop. Il y a des choses que je vais changer, même si je reste ici un an, voire peut-être plus, on sait jamais. J'ai de quoi faire et j'ai de quoi changer aussi des trucs. À la brocante, il y avait des artisans. J'ai acheté une bougie, la chose la plus importante dans une chambre, dans une maison, partout en fait. Enfin, vraiment les bougies qui sentent. Les bougies qui sentent, je parle pas de juste bougie pour éclairer, hein. Une bougie... Depuis quand même, c'est pour éclairer. Une bougie, c'est pour sentir. Mais trop contente, elle est trop belle. Genre, c'est pas du tout autumn pumpkin, pumpkin pie, et tous les trucs comme ça, genre sirop d'érable. Enfin, non. Ça fait automne classe.